Voici le bonheur. Tu viens au monde et tes parents font en sorte que tu grandisses dans de très bonnes conditions. Tout va bien, tu as tout ce dont tu as besoin. Tu manges, tu dors, tu as tes jouets, tes vêtements, tu es au calme. Et ça va durer longtemps. Après tout, c'est ça le bonheur, non? Tu es libre de faire ce que tu veux. Eh ben non, car tes parents, ils t'envoient à l'école. Ils sont contents, pas toi, mais tu t'y feras. Tu te lèves donc chaque jour à 6h30 pour arriver à l'heure. Tu suis les cours pendant 7 heures, on te donne des devoirs, tu étudies pour passer des examens. Et chaque semaine, tu reçois une récompense pour tes efforts, le week-end. Ce processus se répète tous les jours, toutes les semaines, tous les mois pendant 20 ans, en estimant que tu ne redoubles pas et que tu finisses à l'université. Après tout ce temps, tu as ton diplôme. Tu deviens la fierté de tes parents, de tes professeurs, de tes amis, car on t'a toujours dit qu'avoir un diplôme était synonyme de réussite. Ça y est, tu as enfin réussi. Tu peux désormais te reposer et faire tout ce dont tu as envie durant le reste de tes jours. Après tout, c'est ça le bonheur, non? Tu es libre de faire ce que tu veux. Eh ben non, pas vraiment. Maintenant, il faut trouver un travail. Ah bon, pourquoi? Ben, pour gagner de l'argent. Pourquoi? Ben, pour payer la maison que tu n'as pas encore, payer les factures que cette maison va te coûter, et acheter la voiture de tes rêves, car après tout, c'est ce que fait une personne qui a réussi. Alors, attention, pas n'importe quel travail, hein. Ben non, t'imagines bien que t'as pas fait toutes ces années d'études pour rien. Il te faut un métier dont le prestige est à la hauteur de ton diplôme. Donc tu vas être ingénieur, avocat, médecin ou architecte, tu vas limite travailler à la fonction publique, mais alors en tant que commissaire. Bon, très bien. Tu trouves un job, tu te mets dans un bureau, on te donne ton horaire, les règles à respecter, on t'annonce ton salaire et tes avantages, on te remercie, te serre la main et c'est parti. Tu te lèves tous les jours à 6h30, tu bosses pendant 8 à 9 heures par jour, on te donne des responsabilités et tu y vas à fond car tu veux une augmentation. C'est facile, on t'a rodé à ça pendant 20 ans. Tu t'y habitues et à la fin de chaque mois, tu reçois une récompense pour tes efforts, un salaire. Salaire que tu utilises pour payer tes charges obligatoires, ta nourriture, ta voiture, les sorties qui t'aident à casser la routine que tu t'es créée et des vacances une fois par an. Et tu parviens même à mettre de côté, juste au cas où. Ah, après tout, c'est ça le bonheur, non? Tu es libre de faire ce que tu veux, une fois par an. Ah non! Faut que tu te maries maintenant! Ben, pourquoi? Ben, pour ne pas rester seul, enfin! Et puis t'as de l'argent de côté, maintenant tu peux fonder une famille. Il faut bien que tu aies des enfants. Des enfants. Pourquoi? Car c'est un bonheur d'avoir des enfants, pour être fier d'eux. Regarde ce qu'est devenu l'enfant que tu étais, et on est fier de toi. Et c'est ça le cycle de la vie. Bon, très bien. Tu trouves un ou une partenaire, tu te maries, tu fais des enfants. Mais attention, t'es pas en pause carrière. T'avais déjà 8 heures de ton temps quotidien passé au travail. Rajoute 3 à 4 heures par jour pour t'occuper des enfants et trouver des activités. Mais comme après une longue journée de travail, t'as qu'une envie, c'est de te reposer, tu compteras sur le week-end, qui à la base était une récompense, mais qui va devenir la condensation de tout le temps que tu n'as pas pu passer en famille. Ce processus se répète tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, pendant 40 ans. Tu as 65 ans, tu es pensionné, tu t'es enfin débarrassé de ton travail. Tes enfants ont grandi, ont fait leur vie, ta femme est toujours à tes côtés, et vous vivez l'un près de l'autre en profitant du temps qui, contrairement à vous, est éternel. Mais le stress de toute une vie t'a consumé de l'intérieur. Trop d'acharnement, trop d'inquiétude, trop d'anxiété, trop de j'ai pas le temps, trop de j'ai pas le choix. Trop tard. Trop tard. Après tout, c'est ça le bonheur, non? Tu es libre de faire ce que tu veux maintenant. Oui. Maintenant, oui. Tu vois, cette vie-là, c'est un peu comme l'âne et la carotte. L'âne avance pour manger la carotte. Mais lorsqu'il avance, la carotte avance aussi, ce qui le fait avancer davantage, repoussant toujours plus loin l'objectif de son bonheur. Ce stratagème est orchestré par celui qui le monte et dans son unique intérêt, avec, au bout tout de même, une petite récompense pour l'âne afin qu'il ne se décourage pas. Une petite analogie est nécessaire pour comprendre plus en profondeur. Dans cette situation, qu'est-ce qui fait avancer l'âne? Premièrement, le besoin. Mais pas n'importe quel besoin, le besoin créé par la personne qui le monte. Un âne, ça mange de l'herbe, ça mange du foin. Une carotte, c'est une sucrerie pour lui. Ce n'est pas un besoin vital, mais un caprice. Dans la vie de l'homme en société, ce qui le fait avancer est aussi le besoin. Le besoin de consommation dont la nécessité n'est pas vitale, mais a été induite par l'éducation, la publicité et les médias. Deuxièmement, l'insatisfaction. Si tu donnes une carotte à l'âne à chaque fois qu'il parcourt 10 mètres, tu peux me croire, au bout d'un moment, il en aura assez de cette carotte et il arrêtera d'avancer. Chez l'homme en société, c'est pareil. Il faut le maintenir dans une zone d'insatisfaction assez élevée pour que son besoin ne soit pas totalement comblé, mais assez basse pour qu'il soit prêt à refournir les efforts nécessaires afin d'assouvir ce besoin.
Concrètement, si ton patron te donne 10 000 euros par mois, tu seras totalement satisfait et ce n'est pas dans son intérêt puisqu'avec cet argent et un minimum d'intelligence financière, tu investiras dans l'immobilier pour dégager des revenus automatiques et plus besoin de patron. Il est perdant, tu es gagnant, ce n'est pas dans son intérêt donc il doit te payer beaucoup moins. Et s'il te donne que 800 euros par mois, il se doutera bien que tu iras chez la concurrence, ce qui n'est pas dans son intérêt non plus. Donc il va s'aligner pour te donner juste de quoi subvenir à tes besoins. Et voilà, la roue tourne. On t'a promis un avenir brillant et tu te retrouves à hypothéquer ton réel bonheur pour consommer davantage. C'est comme si on t'avait volé ta vie avant même qu'elle ne commence. 80% des gens sont coincés dans ce cercle. Et je dis coincés car la plupart n'aiment pas leur vie, n'aiment pas leur quotidien. Ils le trouvent malsain, mais ils disent « Ouais, mais bon, si tout le monde fait comme ça, c'est que ça fonctionne, c'est que c'est la bonne manière de faire. » Ah ben oui, si tu lis les livres que tout le monde lit, tu ne pourras que penser comme tout le monde. Écoute, c'est normal que tout le monde fasse comme ça, puisque tout le monde va à la même école. Celle où, clairement, le bonheur et l'épanouissement personnel ne font pas partie du programme. Celle où on ne t'apprend pas à être autre chose qu'un âne qui troque sa paix et sa santé pour une carotte. Mais que veux-tu ? L'homme préfère en général un monde connu et malsain, plutôt qu'un monde sain mais inconnu. Bon d'accord, mais alors, que faire ? Eh bien, le plus important, c'est d'être satisfait. Pas forcément de ce qu'on a, mais de ce qu'on est. Et je ferai une vidéo sur l'importance de l'être par rapport à l'avoir. En gros, si tu fais partie de ces 20% de gens qui sont heureux dans leur métro, boulot, dodo et qui, pour rien au monde, ne changeraient leurs habitudes, c'est bingo, tu as compris la vie et je souhaite de tout cœur que le bonheur que tu ressens se perpétue. Par contre, si tu fais partie des 80% de personnes qui ont cette routine malsaine mais confortable alors qu'elle ne va pas dans l'intérêt de leur bonheur personnel, pose-toi la question. Qu'est-ce qui te rendrait vraiment heureux ? Quitter ton job ? Devenir ton propre patron ? Vivre au soleil ? Passer du temps en famille ? Avoir une meilleure santé ? Une fois que tu as trouvé ton pourquoi, une fois que tu as trouvé ce qui te rendrait plus épanoui, et j'insiste sur ton épanouissement, pas celui de tes parents, pas celui de tes professeurs, pas celui de ton patron. Tu vas mettre toutes les chances de ton côté pour devenir cette personne. Car rappelle-toi que dans la vie, tu as le choix. Tu peux choisir de rester à accumuler 7 ans de ta vie devant la télé, car oui, à raison de 2h30 par jour sur 65 ans de vie, t'arrives à 7 ans. Tu peux aussi choisir de rester 15 ans à faire défiler les stories sur ton téléphone. Comme tu peux choisir d'utiliser ce temps à te perfectionner dans ce que tu veux être. On dit que 50 heures de pratique dans un nouveau domaine peut déjà produire d'excellents résultats. Il faut jusqu'à 50 000 heures de pratique pour devenir un maître en la matière qui peut changer le monde. Mais en moyenne, 500 heures de pratique te permettront largement d'acquérir une nouvelle compétence, de la maîtriser et de pouvoir l'enseigner. Cela représente 13 semaines à raison de 38 heures par semaine, ce qui fait à peu près 3 mois et demi à plein temps. Si en 3 mois et demi, tu peux acquérir une nouvelle compétence et la maîtriser, combien pourrais-tu en acquérir sur 40 ans de carrière ? Et des compétences, des opportunités, des champs de carottes, t'en as à la pelle ! Donc voilà ce que tu vas faire. Tu vas arrêter la procrastination, car le temps passe vite et un jour arrivera où il n'y aura plus de lendemain. Tu vas sortir des rangs et marcher sur le chemin le moins fréquenté. Ton chemin, pas celui des autres. Celui qui te rend libre, celui que tu as choisi pour toi. Tu seras seul, c'est normal. Tu perdras le soutien de certains, c'est normal. Mais tu seras enfin ce que tu as toujours voulu être. Tu suivras enfin cette petite voix à l'intérieur de toi qui t'a toujours appelé en vain et que tu as enfin décidé d'écouter. Et c'est ça le bonheur. Être notre véritable nous, tout simplement. Il y a un temps de vie qui t'est donné dès la naissance. La question n'est pas combien de temps, ça personne ne le sait. La question est comment tu utilises ce temps. C'est ça qui va déterminer ton bonheur. Repère ce que tu veux devenir, crois en ce que tu veux devenir et agis pour le devenir. Il ne faut pas oublier que bien que le temps soit immortel, toi, tu ne l'es pas. Alors utilise-le sagement et marche sur le chemin qui te convient le mieux. Merci et à bientôt.